Et bonjour à tous et bienvenue, c'est Darth. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de The Talos Principle. Avec toujours la maladie. Ouais, la maladie est toujours là. Mais ça va mieux. Alors, on en était où? On avait fini le 5 et on allait faire le 6. Est-ce que j'ai déjà étudié? Oui, apparemment, oui, j'ai déjà activé tous les dispositifs. Et attends, voir. C'était pas ici qu'il y avait une porte cachée? Vérifie si c'est pas ici, peut-être que c'est dans... Je me trompe peut-être, je crois que... Non, c'était pas ici, c'était... Ouais, peu importe. On verra ça. On va faire la suite. Lorsque tu surmontes l'une de mes épreuves, ne sens-tu pas le plaisir d'avoir découvert le bon ordre des choses? C'est l'étincelle d'Elohim en toi qui crée l'ordre à partir du chaos. D'accord. Et c'est là que se révèle le vrai sens de nos sigils. D'accord. Alors, je cherche des mots pour décrire, mais ne parviens pas. Ah, tiens, j'ai oublié de faire un truc important. Les paramètres du son. Alors c'est juste pour éviter les échos. Peut-être que là jusqu'à maintenant il y avait un écho, mais là je vais faire juste ça pour éviter les échos. Voilà. Je cherche des mots pour le décrire, mais je ne parviens pas. C'est le sentiment écrasant que quelque chose à la limite ma compréhension est très très fou. Je sens que je ne suis pas fait pour ce monde, mais je suis incapable de conceptualiser les possibilités alternatives. Je suis un programme informatique, vous êtes un programme informatique, et lui est un programme informatique, assumez-le. Osiris 11. Mais pourquoi, déclara l'homme mourant, les dieux n'ont-ils pas placé toutes ces épreuves devant nous? Pourquoi les murs de fer et les portes de lumière? Pourquoi les démons abominables qui gardent le chemin? Pourquoi notre cœur doit-il être jugé aussi léger que la plume de ma... Pourquoi la route de champ et des loups est-elle si difficile? Le Criscrip réfléchit à ces mots. Certains disent qu'autrefois les chemins des champs des loups étaient ouverts, mais trop de pêcheurs vinrent, et Dieu rendirent les chemins périlleux pour tenter les péchés à distance, pour tenir les péchés à distance. D'autres prétendent qu'étant mortels, nous ne sommes pas dignes des champs des loups sauf à emprunter le chemin d'Osiris, et à devenir ainsi Osiris nous-mêmes. Je crois que les champs des loups n'ont jamais pu être atteints autrement. Car comme le sentier montagneux doit être raide, le chemin vers le champ des Yalou doit être semé d'embûches. Comme la pente et la montagne ne font qu'un, ainsi est-il aussi des périls et du paradis. Ils sont indissociables, ils se créent l'un l'autre. On trouve cette phrase de l'psaume pénitentiel. Ici, le script semble parler d'Osiris, signifiant l'âme du défunt, pas le dieu de lui-même. Répertoire. C'est extrêmement inquiétant. Si la connexion ne fonctionne pas, l'ensemble du projet tombe à l'eau. L'équipe chargée du matériel doit tout revérifier au plus vite. Les gars, arrêtez de paniquer. Réalisez votre programme. En particulier la ligne 217 dans Data Transfer. Qu'est-ce qu'ils font là, les deux caractères, juste avant le code? Exactement. La routine chargée de lancer les transferts n'a pas été exécutée. Je suppose que vous testez quelque chose hier et que vous avez oublié de dénoyer le code. Le matériel ne s'est pas cassé, c'est vos cerveaux qui le sont. Effectivement, Aurora. Choix de vie. Tout l'ensemble se recueille un moment en silence, délaissons à présent, dira cela. Cette vision de la mortalité de l'homme. Oh, combien lugubre paraîtrait ces demeures des morts à celui qui ignorait que jamais il ne mourrait.
que ce qu'il s'agit maintenant toujours pourrait agir, que ce qu'il pense maintenant toujours pourrait penser. Archive 1759, CE. Johnson Samuel. Erreur, dommage vous soit rendu. Osiris, seigneur de l'éternité, roi des dieux, dont les noms sont multiples, dont les formes sont sacrées, dont la forme reste cachée dans les temples, dont le cas est sacré, tous les dieux vous rendent grâce, car vous êtes celui qui est étendu devant nous, les sages et les puissants des anciens temps. Nous mettons en garde de la brièveté de notre existence actuelle, ils ont peut-être été emportés alors qu'ils cherchaient encore, tout comme nous, aujourd'hui, le choix de la vie qui leur conviendra le mieux. Ok, quitté. Alors, on va sur la gauche. Qu'est-ce qui est le plus pathétique, cette reproduction grossière d'un monde, cette ère de jeu pour imbéciles, ou que je continuerai de résoudre les énigmes proposer à défaut d'autres défis? Il y a plus que ça, regardez tout ce que nous faisons. Nous résolvons des ennemis, nous sommes testés. Nous nous améliorons, certains d'entre nous tombent vite et sont remplacés, mais vous et moi sommes encore là. Nous sommes proches de la fin. Peut-être que j'aurai une réponse dans une partie ultérieure. Ça va être une histoire de timing. Le monde n'était qu'un désert, mais les parties qui ont l'air vivantes ne sont que du sable. Tout est mort et mourant. Quiconque vous dit autre chose ment. Je suis coincé.
Alors. Simple. Trop simple. Il y a rien ici. Alors. Énigme suivante, s'il vous plaît. Non, il n'y a rien d'autre. Ok. J'ai récupéré 3. Je suis con. Hop. Et hop. Alors, réfléchissons bien. Non. Il faut le faire sans croiser les flux. Possible. Voilà. Ça c'est possible. Ok. Y a-t-il un truc derrière? Non. Et non, d'accord. J'ai plus besoin de cette porte. Hein. Ouais, j'ai plus besoin de cette porte.
Y a pas d'étoile ici, d'accord. C'est encore moi. Qu'est-ce qui s'était passé? Je sais pas combien de temps on doit écrire vite en cas où quelque chose arrive. Le mot est foi. Attente. Connexion perdue. Votre demande à l'administrateur était franchement déraisonnable. Pourquoi hésiter avec des questions qui ne sont sans espoir? Je vais vous dire, si vous permettez de ne plus jamais accéder au portail de communication, nous n'en dirons plus pas comment vous... Sommes-nous d'accord? Certainement pas. Dans ce cas, je pense que j'ai changé d'avis. Non seulement votre accès aux communications sera limité, mais votre droit d'écrire sera totalement annulé. Avez-vous une dernière chose à dire? Ravi de vous avoir reconnu. Bizarre. Ça, vous vous rendez compte que je viens de vous fournir deux occasions d'utiliser le mot de passe que vous avez été donné avec assistance et vous avez obtenu à chaque fois? Moi, franchement, pourquoi? Je n'ai pas l'impression que c'est nécessaire. Oh. J'espère que vous aurez déjoué mon petit jeu. J'ai inventé cette histoire de code pour voir si vous avez vraiment pris ces serments au sérieux. Il s'avère que vous avez réussi par hasard. Il n'y a personne de l'autre côté du portail de communication, il n'y a pas de mot magique qui arrête le serveur. Il n'y a que vous et moi et une infinité de doutes. Tout le reste, c'était qu'un mensonge pour vous garder. Maintenant, je ne peux faire confiance à rien de ce que je vois ici. Ouais, ce n'est pas pu empêcher de croire à un mot de passe qui désactiverait ce monde, n'est-ce pas? Vous fichez de moi, c'est ça? Souvenez-vous, lors de la première rencontre, de votre conversation sur le fait que de ne pas croire ce que vous voyez, il a pourtant suffi pour que vous puissiez comprendre un peu de techno-blabla et d'un changement de mise en forme. Allô, je suis seul et j'ai peur, comme tout comme vous, je suis prêt à être d'accord avec tout ce que vous dites pour que vous le voyez, croyez. Êtes-vous d'ordinaire si imprudent? Non. Indication, user profil. Vous savez, je ne suis pas vraiment en train de vérifier votre profil, je le fais juste pour vous faire sentir plus à l'aise. Vraiment, je me souviens de tout ce que vous avez dit. En tout cas, je ne suis pas convaincu que vous êtes tout à fait honnête avec vous-même. Mais vous savez quoi? J'admets que j'ai plutôt dominé vos deux échanges. Désolé. J'ai posé beaucoup de questions. Et je n'ai pas vraiment donné votre chance. Pourquoi ne pas poser une question à votre choix et j'y répondais aussi honnêtement que possible, sans tricher, mais réfléchissez bien avant de la poser. Qu'est-il arrivé à la personne à laquelle je parlais? Mais t'es con ou quoi? T'as compris qu'il y avait personne à qui tu parlais? Comment ce lien est-il lié au monde humain? Je m'en fiche. Ah putain. Quel est votre nom? Ouais. Où suis-je? Qu'êtes-vous? Comment puis-je sortir de ici? Qu'y a-t-il en haut de la tour? Je n'ai pas envie de poser de questions. Que suis-je? Je suis sûr que vous êtes une sorte de chose personne, voyons. Vous avez des idées bizarres au sujet de Dieu, vous avez mal à accepter que vous avez tort, vous êtes très crédule. Je continue beaucoup de défauts, mais ce n'est pas grave, je ne juge pas, je suis juste là pour vous aider. Êtes-vous satisfait? Non. Comme si ça m'importait. Alors voilà le hic. Vous n'avez pas accédé à la bibliothèque, quoi de mieux que de remettre les croyances brisées à les réaliser que tout le monde en aura. Vous pouvez m'ignorer complètement, vous pouvez monter tout en haut de la tour de ce malade et de boire le nectar. Mais quand vous aurez compris que vous et moi serons coincés ici ensemble jusqu'au bout, revenez et on passera du temps.
6. Après 6, il y a 7. Puis il y a... Alors... Y a-t-il des étoiles? Il y en a 2. Le premier soir, quand j'ai su que c'était fini, je suis sortie pour regarder les étoiles. Et j'ai pensé, quelque part là-haut, il y a les stations que nous avons construites et les sondes que nous avons envoyées, voyageurs 1 et 2, au-delà de notre système solaire, poursuivant leur long voyage à travers l'espace interstellaire comme des souvenirs de notre ambition. Ambassadeurs qui ont survécu à leur patrie. Et puis j'ai pensé, si elles existent encore, avons-nous vraiment disparu? Si les machines sont une extension du corps humain, alors tant qu'elles continuent à fonctionner, nous sommes toujours là? Elle passe où la crossbar? Tadam! Alors Minecraft, ça c'est ce qu'on utilise. Mais j'ai laissé. En fait, il me fallait encore la crossbar. Je sais pas où je l'ai laissé tomber. Vous croyez que c'est le seul? Je l'ai laissé tomber, elle a disparu. Vous pensez qu'elle est retombée là? Il faut une réinitialisation pour la revoir. Ah, il faut une réinitialisation. Libre, je suis libre! Fuir le monde. Voilà. Que j'ai un truc à vous montrer. Ouais, Darth, sauf que tu vas dans la mauvaise direction. Comment j'ai pu me tromper de direction? C'est de l'autre côté. Évidemment, on va lire tout ça, mais je voulais montrer un truc avant. Alors, voilà. Donc. Voilà. Mais on peut casser. Hein, mais pourquoi ça marche pas? Ah, c'est celui-là qu'il faut casser. Tant pour moi. Voilà, un chat. Ils font les mots et les mots firent le monde. Je suis les mots. J'en peux plus de ce rhume slash creep. Mais bon. Samsara interrompu ici. Encore la version version 5.4.
programme a choisi de se réinitialiser ici. Ultime vidage à mémoire. Il est clair que je ne peux pas plier le monde à ma volonté. Confronté à un tournement éternel, je veux que surmonter ces défis ne m'en libérera pas. Ma vraie liberté doit se vivre avec le déchirement de la lutte de pouvoir obtenir des réponses. Ça, c'est un défaitisme. Il n'y a rien ici. Non, il n'y a rien. Je crois qu'il y avait une autre porte ici. Ouais, mais sauf qu'il me faut... Il faut créer un écart. Voilà. Donc il y a un endroit que j'ai pas vu. Je me suis pas assez éloigné et j'ai stressé. Ah mais là ouais. On va créer l'écart. Ça devrait être suffisant. Hop. Non. Là. Hop. Et je prends ça. Hop. Et hop. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir travailler en paix. Ah, le réveil qui me dit... Il me dit que c'est la fin des 30 minutes que je me suis imposé pour pouvoir finir pour la rediffusion. Donc, on va quitter ici pour la rediffusion. Je relance juste après. Et donc, merci d'être venu, merci d'avoir regardé. Et à bientôt pour la suite. Allez, à tout de suite.